Rani, ses alcooliques, ses acolytes. Ouais, la reste arrive. Premier run, cool. 50% sur le SRR, Super Rock Ray, avec le petit UDR et l'OZ4. Oh ben, voilà. On va faire cool dans la prairie, propre. Et dès qu'on aura fait un ou deux crash, on ira en forêt avec pour... Ouais, mais ça sert à rien, ils sont pas à peu inversés. Ça, c'est 50%. Putain. Mais comme il tire d'un côté... Voilà. Ouais, mais tu vois, déjà, tu dois démonter le cerveau pour mettre la corde droite et tout. J'ai pas encore fait là, et là il est tout entièrement stock. Hein. Ça, c'est 50%. On passe à 75. Je vais le faire d'autre sens pour éviter de cogner là exprès. Enfin, d'abord, il y a la forme. Ah, 75, ça te suffit dans la forêt. Ouais, bon, ça traîne quand même un peu. Et là, théoriquement, il devrait avoir la vitesse du X-Max. Ça, on verra après quand. Pour ceux qui n'ont pas oublié les X-Max, ce rôle-là. Ouais, t'as la vitesse du X-Max, tu vois. Après, à voir, l'autonomie, du coup, elle doit être viable. Bon, allez. Ouais, ils ont la transmission centrale, on a assez frité. Oh, tenue de route, elle est bien. Ah ouais. Le X-Max, c'est le modèle de silence. Hein. Bon, il réagit super. Hein. First Baum. Il réagit super bien quand tu réaccèles. Oh, oh, oh. Yeah! Premier arbre! Dépucelé! Tu remarqueras que je suis à 100%, hein. J'ai laissé tomber les 50-75. Hein. Oh, il réagit bien! Franchement, nickel! Et franchement, la qualité des pneus aussi, tu vois, regarde, il ballonne pas! Hein. Oh, le rafus, c'est atroce! Hein. Ouh. Sur les roues, baby. Parce que je sais pas c'est pourquoi j'ai freiné. Bon, je reste à 75, allez. Ouais, suffit 75. Ah, il est franchement agréable. Et tu vois, les butées de suspension, on pensait que ça gênerait. Mais non. Ah, les trous de taupe, ça passe tranquille. Même les dévers. Attends, j'arrive. Tu vois, même sur plat, hein, t'as vu. Toi, t'es self-righting. Bon, après, t'as vu le cul sur les trous de taupe, comme il a sauté direct à cause des butées. Le problème à l'arrière, même si je trouve des amortos plus longs, t'as le souci que le... J'ai le soleil dans la poire, je vois rien. Ouais. C'est le problème que le pont, il va taper en haut. Et regarde, même sur le goudron, hein. Et franchement. Et le virage, ce goudron. T'as vu? Ça lève la patte et quand t'accélères, il se remet en bas. Ah, comme le Yeti. Ouais, c'est... Ouais, moi, le... ça se pilote mieux que le Yeti quand même. Hein. Ouais. T'as vu? T'as vu, dès que j'accélère, regarde, je lève la patte. T'as vu? Pas mal, hein? Ça, c'est ce qui manque un peu au UDR. T'as vu? Ouais, ça le tient tranquille, hein? Bon, les freins, le problème quand tu diminues à 50-75, les freins, t'as plus rien. T'as vu, j'ai freiné à fond. Là. Tiens, ton tour. Bon, allez, autour de la fripouille. Donc, moi, j'ai réussi à pas aller sur le toit. J'ai fait une roulade parce que j'ai freiné au lieu d'accélérer, mais ça s'arrête là.
J'ai pas encore de rayure. Bon, on s'habitue à la carreau, hein, finalement. Hein? Ouais, Noël. Le danger roulant. T'as dû bouger le trim. Mais t'as marché dessus, je crois. Ouais, fripouille, first retourne. Ouais. Hey, cours là, on t'attend là. Bon, je refais un peu de UDR alors. Je crois que t'as trop tendu les suspects, hein. La vache. Ah mais il a enlevé les roues de secours aussi. Ah là c'est inroulable. Hey, regarde. Oh putain. Deux fois. Hey, sans les roues à l'arrière, c'est inroulable UDR. T'es beaucoup trop haut. Faut que tu règles les suspects. Ah mais t'arrives même pas à aller tout droit. Hein? Eh sérieux, c'est enroulable. Non, il y a un problème. Qu'est-ce qui va pas là? Ça déjà, mais. Déjà, il tire pas tout droit. J'ai déjà mis le trim à fond en gauche, à droite. Là, maintenant, il va tout droit. Mais là, il est trop haut sans les roues aussi à l'arrière, tu vois. Les suspensions sont trop nettes. T'as du pincement à l'avant de toute façon. Putain, comme il est léger sans les roues arrière. Bon, roule un peu là, ils veulent voir quelque chose sur la vidéo, les gens là. Bon, si tu pouvais éviter les crashs. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, la fripouille, rôde mon toit. Moi, je rôde les pneus, lui, c'est le toit. On va voir ce que Jérôme il va faire après. Mais dès qu'il lève la patte, faut réaccélérer. Bon, lui, il est bizarre. Hein. Là, il y a de la place si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de ramasser les arbres. Tiens, je te rends ta radio. Je te rends la tête. C'est quand même le cadeau de Noël de Gigi. Hein. Quand j'aurai rossé, tu pourras le. Non, mais détends tes suspects, toi. C'est beaucoup trop dur. Il est beaucoup trop haut du sol. Ça va, Jérôme? Non, pas encore. Mais non. Tu veux pas, j'ai des vis dans la caisse. Hein. Tu veux pas le fixer comme il faut, Jérôme, au lieu de casser la tourelle. T'as vu, il est à 75%, t'as pas de frein. Hein. C'est caca. Moi, j'ai pas encore touché le programme du Vario. Ah là c'est mieux hein. Ouais mais il a un problème hein. Il est vraiment inroulable. Non non, déjà devant t'as trop de pincements. Ah oui non, t'as des biellettes en plastoc. Bon moi je me régale avec ce machin. Ah mais le problème c'est que toi t'as trop hésité en fait. T'as trop hésité, c'est pour ça que tu t'es renversé. Ah, il est super doux. Hein. Après tu vois, c'est pas l'engin pour faire des sauts de malade. Hein. Il a pas obéi. Il y a Mika, il doit arriver, je sais pas ce qu'il faut. Il y a Kirk qui nous rejoint aussi. Il a trouvé quelqu'un in extremis pour garder la petite. Il me dit vous roulez quand? J'y mets là. 10 minutes après j'arrive. Oli il a déjà un truc de prévu. Ah lui il veut une MCD. Hein.
Oh purée. J'ai eu un doute, tout était là. Ah. Ah ben. Écoute, ils ont pas les mains. Ah, il obéit bien, tu vois, il bouge pas. Un régal à qu'on est. Voilà, sur ce terrain-là, c'est un régal. Il emplisse super bien les... Tu vois ça? Les dévers, là. Bonjour! Bonjour. C'est super obéissant le chien, t'as vu? Il a attendu de passer le truc et ça, maintenant, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est un berger allemand, pas demandé. Ah, c'est normal. Ah, je t'ai refait le côté caisse. C'est sympa le mec en vélo. Il a freiné. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on est de dos, vous pouvez pas le voir. Mais tu vois, c'est un mec logique. Il s'est dit, ils sont de dos, ils me voient pas. Normal, je ralentis. J'ai réussi aussi. Mais là aussi j'ai fait un tonneau sur le toit. C'est pas grave, moi je veux enlever la carrosserie de toute façon. Quoique comme dit, on s'habitue. Ah, il est super à l'aise même là-bas. Enfin, par rapport à X-Max sur ce type de terrain, il est mieux, c'est sûr. Ouais, mais c'est parce que j'ai lâché les gaz. Hein? C'est sûr, si tu passes plein gaz dans les ornières, t'es mort. N'est-ce pas? Et je suis passé en travers aussi, regarde. Parce que regarde si je passe de face, regarde. Ouais, de face. De face, il saute. Là. Et là, j'étais que au ralenti, hein. Non! Oh, j'espère que je l'ai dans l'angle de la caméra. Le crash au ralenti, je freine, je tape, la roue pas. C'est l'écrou, l'essieu complet. Ça va, Jérôme? Prends dans ma caisse à outils, à la visseuse et tout. Tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main, Jérôme? Bon, la WC, ça sert vraiment à rien là-dessus, hein. Je roule l'éteint depuis avant. Alors, c'est quoi? On remarque même pas, regarde. Ah ouais, comme il n'y a pas de diff. C'est ça la solution. Faut mettre une roue libre d'un côté. Si tu veux, Jérôme, tu peux rouler le losi et moi je te répare ton aileron. Ça, voilà, avec Mika, ça fait 15 jours, on y va là. Hein. Ah mais oui, c'est vrai qu'il a les diffs de... comme la Lozier 8 dessus, j'avais oublié. Il a les autobloquants. C'est pour ça qu'il rattrape tellement bien quand une fois que tu glisses. Ouais, ouais, 3. Oh, là, je l'ai cherché un peu trop quand même. Je trouve qu'il y a de plus en plus de morceaux de RC dans ce champ. Et de moins en moins d'herbe. Mani, pas dans l'eau, résiste à la boue, Mani!
Non. Je sais que t'as goré, mais non. Ah si, t'as raison, regarde Fripouille. Les ornières. Bon ben, j'ai pas besoin d'acheter le je voulais acheter le, j'ai failli craquer ce Lozi 5B12S. Tu sais, le buggy compétition. Il y a une remise en Allemagne, 1006 au lieu de 2100. Ah, je peux pas m'empêcher d'aller dans l'eau. Ah, viens, on va de l'autre côté. Ça va mal finir, c'est ça. Allez, t'as vu? Ouh, ça tape méchant. Hein. Je suis impatient de tester en forêt ce machin. Il y a une mouche qui me poursuit. Faut que je fasse gaffe. Ouais, de ce sens, faut faire gaffe. On va prendre un peu de travers. Ouais, ça va aller. Voilà, j'ai durci. J'ai mis 5 mm sur chaque. L'écrou, tu l'as retrouvé ou t'en avais déjà tout prêt? Je me souviens quand j'ai démonté. J'ai pilé. Bon, tunnel flip. Non, mais il y a clairement un truc qui va pas sur ton idée. Hein. Enfin, la conduite, elle est vraiment bizarre. Ça arrive pas à mettre gaz tout droit. Hein. Il part complètement. Non, dès que tu tournes et que t'as malheur de raccélérer un peu trop fort, c'est pas que direct. Bon, là aussi, avec le tortus, tu vois, avec le pont, quand j'accélère, ça me tire aussi de côté, mais toi, tu devrais pas avoir autant, quoi. T'as le planétaire pour ça. Alors, soit il y a le planétaire qui grippait ou un roulement dans le planétaire, quelque chose. Bon, il fait pas de bruit anormal. Là, la roue libre, ça va mieux une fois qu'il est chaud. Bah, si, ouais, lâche-moi. Si. Là, il roule bien. Ce serait dû peut-être uniquement au fait de trop de graisse. Ouais, c'est qu'il a un peu exagéré, mon Jérôme. Hein. Possible, hein. Il a mis la dose. Hein. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Attention au vélo. Bonjour. C'était caché. Faux mec blotte, tu te souviens? Ah, t'étais pas alarmé toi aussi? Ah là là, puceau! Moi, je suis dit, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah, il se boit. Hey, Christophe Guidman, t'as vu, la VNF vient de passer, ils nous ont pas expulsés d'ici non plus. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais non. Mais, là... mais c'est pas ton hexagone qui est mort, c'est un hexagone plastoc. Non mais il est peut-être fendu. Attention au vélo hein. Après c'est peut-être le nul stop sur les coups qui était réalisé. Ah non, il était tout neuf. Ah, il était tout neuf. T'as vu, j'ai attendu que tu sois parti Jérôme. Ouf. Quoi, t'as plus d'écrou? Ah, c'est la roue, je croyais que c'était.
Bon, c'est fini, je suis plus concentré. Ils sont trop bien les pneus. Ouais, c'est le problème, tu vois, quand t'as la suspension avant méga molle. Dès que tu as remis ton béquet comme il faut. Moi, grâce à Julien Lombard, d'ailleurs, merci monsieur Julien Lombard, j'espère que tu m'entends sur la vidéo. Il m'a ramené un Timasso SC8B, full option. Ouais, c'est le tout premier qui s'est sorti, le BZ tout court. C'est la Fermet, toi ? Mais c'est, non, c'est la même base que le DB8. Enfin, c'est le. Parce qu'au début, ils ont fait le SC8, enfin le B8 et le 8T, entre guillemets, et après, ils ont fait le SC8 avec. D'accord. Il m'a ramené le Factory Team en nitro, hein. Mais oui, mais je vais faire le. Tu me connais, hein. Ouais, un petit kit de conversion et. Et là où tu vois que Timasso c'est de la balle, j'ai la machine, elle doit avoir au moins 10-12 ans. Hein. Ouais, elle est en bien meilleur état que les Mugen qui ont le même âge. Hein. Ouais. Les Mugen c'est bien, mais Timasso c'est quand même. Niveau usure des pièces, enfin sortie de noir, diff, tout ça, c'est un peu meilleur. Mais ça dure à trouver là. Oh, déjà avec Mugen, tu. Après, tu te crains déjà rien quoi. Eh, hey, j'ai le TSM éteint, hein. regarde. Super cerveau. Regarde, là j'ai mis le TSM, là je l'éteins. Cerveau de la Team Lousy, hein. Eh, hey, j'ai Parkinson. Et TSM éteint, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais une fois l'allumer pour voir. Hein. Ouais, ça va. Voilà, on est. Ah, ouais, elle est quand même cool, ce truc. Allez, tiens, bien, moi, tiens, allez, mettons le TSM. Ouais, c'est vrai qu'avec le TSM il part tout droit, mais t'as vu les roues comme elles. Ah ouais, elles ont un truc. Regarde, j'arrive pas à tourner. Je tourne à fond là. Regarde. Regarde. TSM qui est de merde. À fond, là, c'est vraiment. C'est vraiment le truc qui sert à rien. Il n'y a rien à faire. Donc il faut déjà changer le cerveau. Ouais, mais c'est naze. Surtout que c'est une taille unique, donc soit tu prends un E-Tech à 80 boules. Ah, c'est l'Ozi dedans, que la R8. Il a déjà du jeu sorti de la boîte. C'est... Moi je me régale. Hein. Ah, ça y est, il rentre. Rafa-nous, voilà. C'est pour nous montrer que t'étais là en fait. Eh, hey, Mika, il s'est perdu. Non. Mais si c'est bon, il est passé, je peux y aller, quoi. Non, bah non. Attends. Parce que celui-là, je peux le remettre. Ah, bah non. Joli. Ouais, je l'ai en plus, caméra de face. On va le mettre au ralenti, celui-là. Il a réussi à faire 10 mètres tout droit, Raphaël. Après, je sais pas, il y avait peut-être des trucs à faire. Non, non, parce qu'il y avait un rendez-vous et moi j'en ai profité. J'ai ramené Gigi au boulot et je suis allé chez DHL Allemagne. Parce que c'est moins cher d'aller chez DHL en Allemagne et envoyer des colis en France que de les envoyer de France en France. Mais deux fois moins cher, hein. Pour la Belgique, je te raconte pas. X-Max pour la Belgique en France, 72 euros. Je suis allé chez DHL, 32 euros. Flat rate. Et si j'avais eu un kilo de moins, j'aurais pu l'envoyer à 22. Joli. On danse. On est bien au soleil là. Demain tu peux pas alors. Hein? Demain tu peux pas alors. Ah, en vrai, vendredi c'est le plus chaud. Hein. Faut que je me penche sur monter les 10 photobloquants dans le X-Max. Tiens Jérôme. Ouais, non, mais l'Ozi origine, bien. Et ils m'ont refilé un vieux l'Ozi en fait, il a pas.
T'as vu, il m'en refile un vieux Lozi, il est tellement vieux qu'il a déjà la tremblote. Ah, foiré. Ah oui, moi j'ai l'autre. T'es en 4 ou en 6 là? Tout en 6. Je connais rien d'autre. Bon, ça va, t'as tiré court ce pignon. C'est un régal à rouler ce machin. Hein? Attention à la lire, un Lozi c'est pas le buggy. Hein. Enfin le gros, c'est aussi un Lozi le tien, accessoirement. Là, on va y aller. Ouais, franchement, il est hyper à l'aise. Et quand il lève la patte, tu réaccélères un peu, ça la raplatit direct. Si tu passes sous une voiture, ça la raplatit aussi direct. Et là, avec ces pneus là, c'est génial ce. C'est les sismiques, hein. Ou les Weapon. Ouais. Ouais, ouais, ils sont excellents. On gomme la putain, c'est les pneus. Et à la base, il était censé faire grand. Bon, même avec le buggy, j'ai réussi à déterrer un gros caillou. Ah, enfin! Ah, il avait peut-être pas les batteries pleines ou un problème. Il avait pas rechargé ou. Ah non, mais non, il avait pas remonté sur Bulkhead encore peut-être. Comme elle. Ah, il est plus sec. Ah, c'est beau, hein. Vas-y, je te filme. Que toi, t'aimes bien ça. Toi, t'es ici du crawler. Tu sais faire ça mieux que moi. Moi je sais que survoler l'objet en fait. Ouais, hey, t'as vu le buggy, il décapite les buts en fait si t'arrives de face. Ah, t'as vu de merde. T'as vu. Bah, j'allais le redresser pour fait. Ouais, j'ai vu, mais je me suis arrêté. Le buggy, c'est une crème. Hein. T'as recollé tes pneus toi sur le VS Pro? Ouais, mais je l'ai redécollé dimanche. Moi, c'est un autre. Quoi. T'avais collé comme un sagouin quoi? Bah, non, même pas. Oh, salaud, ouais! T'as, j'ai une pinte par terre, il va me la shooter encore. Il fait son Sevan là. Ah, il y avait une belle motte de terre. Dans Alors, tes impressions, Jérôme? Ah, je suis calme. Bah, en fait, j'étais déjà à l'avant. Donc... pas trop objectif en fait. Ouais, non mais là il est top hein. Bon je t'en commande alors. Oh ouais. Fais pas que t'es tout droit Jérôme, profite des bosses. Mais justement mais je voulais voir, j'aime bien comme tu l'as dit, tu fais dans les coups de course là. Je sais pas pourquoi en compète ils roulent pas en 6S. Hein. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent avec leur 4S. Non mais c'est leurs circuits qui sont trop petits. Et après il y a les thermistes qui vont râler. Ouais mais les brushless ils font 10 secondes de mieux autour. Ah enfin. Bon alors là on avait des VS Line 8000 mais pas pleines. Ah, non c'est en 4.35 c'est des HV et je les ai mis dedans, ils avaient 4.10. Ouais c'est pas grave. Hein. Là, je reste ton bubi. Ça c'était clair. Hein. Tu t'attendais pas. À quoi? Du coup, elle a fait comment? Elle a fait cheap et le cerveau de direction il fait pitié. Maintenant, on va checker tout de suite la température. Bon, là on n'a pas roulé comme des salauds donc ça va. Attends, c'est t'as débranché où là? Là? Ah oui, au-dessus comme l'UDR. Ouais. Enfin, comme l'UDR. Place en fait, ouais, dans la place. Ouais. Bon, les batteries sont tièdes. Ça va. Oh, oui. Mais là on a mis un paquet de lignes droites tu vois. Ouais. Et moteur. La moteur t'arrête. Bon, et aujourd'hui il fait pas très froid non plus tu vois. Ça va. Moteur je laisse le doigt dessus encore. Ouais. Ça va. Et là on a fait un paquet de lignes droites. T'as pas en forêt ça va être cool. Ah c'est quand même. Ah ouais. Et tu vois pour sortir du pot tu fais juste ton coup.